Un orage magnétique touchera la Terre ce mercredi. Un orage magnétique devrait s'abattre sur la Terre ce mercredi alors que les vents solaires se dirigent vers la Terre à partir d'un trou dans l'atmosphère du Soleil. Les prévisionnistes du Centre de prévision météorologique spatiale, SWPC, de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont déclaré lundi que des tempêtes géomagnétiques de force G1 seraient probablement le 6 juillet en raison d'un flux à grande vitesse de trous coronal géo-efficace. En d'autres termes, une rafale de vent solaire, un flux de particules chargées, doit interagir avec le champ magnétique terrestre, provoquant potentiellement des perturbations mineures pour certains systèmes comme les satellites et les réseaux électriques. Les orages magnétiques sont définis comme une perturbation majeure de la magnétosphère terrestre qui se produit lorsqu'il y a un échange très efficace d'énergie du vent solaire dans l'environnement spatial entourant la Terre, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Ces tempêtes résultent de variations du vent solaire qui produisent des changements majeurs dans les courants, les plasmas et les champs de la magnétosphère terrestre, ajoute la même source. Les tempêtes géomagnétiques G1, en particulier, ne nuisent pas aux humains sur Terre, mais peuvent provoquer des perturbations mineures des réseaux électriques et des opérations des satellites. Cette tempête particulière produira également de superbes spectacles auroraux qui pourraient être visibles dans tout l'hémisphère nord.